cette montagne. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Cette montagne encore. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Merci parce que tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Et vous asseoir. Cette journée, elle est vraiment importante pour nous parce que c'est jeudi, le sixième jour, le quatrième jour de la semaine. Et c'est le chiffre 4, le chiffre de la stabilité. Et en même temps, je vais parler de quelque chose d'important. Nous allons renverser. Matthieu 17, à partir du verset 21. Attention à la chaise. C'est le premier. J'ai fait de lui un point. Amen. Voilà. J'ai investi en lui quelque chose. J'ai fait de lui un disciple, un homme de délivrance. Matthieu 17, 21. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire. Dès lors, Jésus commença à faire. Mais cette sorte de démons sort que par la prière et le jeûne. Amen. Mais cette sorte de démons sort que par la prière et le jeûne. Vous voyez, Jésus a dit à mon nom, vous allez chasser les démons. Pas quand nous allons chasser les démons. Ils ont envoyé un cas de possession devant Jésus, devant les disciples de Jésus. Ils ont essayé, ils ont parlé, ils ont chassé les démons, ça n'a pas marché. Jésus est venu, il a ordonné aux démons de partir. Et les gens ont demandé à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser des démons? Et Jésus dit, de telle catégorie de démons, là, pour sortir, il faut nécessairement le jeûne et la prière. C'est-à-dire, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne vient briser l'obstacle. Amen. Le jeûne n'apporte pas la bénédiction, ça brise les obstacles. Ça affaiblit le corps et ça permet à l'esprit de partir librement. Donc cette journée, elle est vraiment dédiée à un jeûne. Aujourd'hui, là, nous devons jeûner. Amen. Nous jeûnons aujourd'hui. Et à partir de 17 ans, on a la prière. Et on aura un entretien. J'ai un entretien prophétique. Aujourd'hui, jeudi, c'est ce qu'on appelle le jeudi prophétique. On a un entretien prophétique avec monsieur Patrice. Il y a un entretien vraiment important. Avec toi, vraiment important. Il y a un combat de 6 mois. Toi et moi, on va libérer pour faire tomber tes gens. Le Seigneur m'a montré un peu le cheminement de tout le combat que nous avons mené. Mais en privé, on va essayer de discuter de certaines choses. Parce que c'est ta vie privée, il y a des choses que je dois t'expliquer en matière de combat. Son Dieu m'a montré pas mal de choses, y compris cette sœur. On aura l'occasion, aujourd'hui, d'avoir un entretien. Ça n'empêche pas que ce matin, qu'il y a des entretiens de certaines personnes. Mais ceux qui sont des gens jeunes, qui sont venus pour se retirer, tous les jeudis, on a ce qu'on appelle l'entretien, la rencontre prophétique. Donc aujourd'hui, vous jeûnez. Et nous allons avoir le bain d'huile à partir de 18h. Dès qu'on finit à partir de 18h, parce qu'ici c'est un jeûne. Vous ne venez pas ici comme ça. C'est un centre de retraite. Vous venez vous retirer pour prier. Après la prière, vous aurez à manger. Parce qu'ici là, c'est un truc léger. On ne vient pas pour manger, nous aussi, consistant, un truc léger. Et on aura des moments d'entretien. Amen. Mais le bain d'huile, c'est le truc d'huile, là, c'est à partir de 18h. C'est ça. Mais restez dans un esprit de prière. Vous restez dans un endroit. Vous ne devez pas chuchoter avec. Non, il faut éviter les discussions, éviter les causeries vaines surtout. Les causeries vaines. Vous avez tout abandonné pour venir chercher la face de Dieu. Ici, là, c'est uniquement la prière. Vous devez éviter les causeries. Vous êtes en contact avec la parole de Dieu. Vous devez méditer la chose. Nous sommes en train de nous organiser. Au niveau du centre ici, on aura des écrans géants. Très bientôt, d'ici 2 semaines, on aura des écrans géants. On va vous faire passer des images. Bientôt, on aura un poste ici qui va venir. Vous allez les céder. On aura des ouvrages qui sont en route.
très bientôt, d'ici un mois, je vais venir, j'ai fait une commande depuis Cap-Vert. On voit des ouvrages qui sont là. Comme ça, vous savez, que j'entends de lire les livres et tout ça. J'ai commandé déjà les ouvrages qui sont arrivés. Les livres, on voit déjà les écrans géants, nos vidéos là, vous allez les suivre ici. Ça va vous enseigner aussi comment connaître, démasquer les sorciers et tout ça. Les vidéos, bientôt on aura l'écran géant ici. Mais pour l'heure, aujourd'hui, comme ça, vous pouvez lire la Bible, soyez dans un endroit où dites Seigneur, vraiment parle-moi. Je ne suis pas venu ici me retourner comme ça. Je suis fatigué. Parle-moi. D'où vient mon problème? Si possible, permets-moi d'utiliser ton serviteur pour m'aider. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. À tout à l'heure. Voilà. Donc ici, suivez le programme. Parce qu'après ça, c'est la secrétaire. Si tu fais partie, va vous appeler. Vous n'êtes pas comme ça venir vers moi. Parce qu'on a bien saisi. On va très bien organiser la chose tout à l'heure. Mais on aura une prière à 17h. On démarre une prière à 17h. Après 17h, il y aura le bain d'huile. Après ça, il y aura un entretien prophétique. Amen. Moi, je suis dans le monde de jeûne avec vous. Je tiens de vous. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te présenter cette journée, te recommander la journée. Viens nous garder dans le feu de ta main. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.